pas ce que tu veux. Enlève ce que tu veux. Chargé, s'il vous plaît. En 2015, jusqu'à ici en Afrique, c'est déjà important. Bon. Déjà, on vient dans le monde. Regarde comme ceci, ça va. Le Dauphiné étant à l'époque favorable à l'empereur. La halte de Napoléon à la Mure intervient juste avant la rencontre de la petite troupe impériale composée de 1100 hommes avec les troupes royales dans la prairie sur la commune de La France. Bienvenue à Pierre Châtel, sire. Séraphique, il s'appelait. Séraphique, et pas Séraphine, comme on le voit de temps en temps. Séraphique Troussier, alors c'était un petit compliment, et on n'a pas le texte. C'est bien, parce que depuis le petit déjeuner, on n'a rien. Ah ouais, pas du bien, ça te l'a fait. J'ai du vin blanc à la mairie, j'ai beaucoup de vin à boire un verre. C'est pas possible. Techniquement, on a un programme. Tu l'as avec ici ou tu l'as à l'hôtel? Mais tu ne sauras pas la mettre en face de l'hôtel. Non. Pas grave. Pas trop. Pas tard.
Le chien. Le chien. Non. Parce que, justement, Napoléon, il avait le chien, il a perdu son chien, de façon, de la partie du grand emploi. Et justement, il a mis Pascal Escavron pour rechercher le chien, ils l'ont jamais reçu. Bien l'objectif, hein. D'accord. Super. Regarde bien l'objectif, ou au fond, tu vas percevoir Sainte-Hélène. C'est dans 8 minutes. Hein. Oh, buvons-en deux à la santé des amoureux, à la santé l'empereur de France et maire de roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Napoléon Bonaparte est un personnage très, très historique. Ça permet de pouvoir aussi mettre en avant dans ses manifestations comme sur la ligne. Oui, tout à fait, parce qu'on apprend un petit peu tous les jours certaines anecdotes ou certaines, à certains endroits des choses qu'on peut un peu plus vérifier. Oui, tout à fait, je serai présent pour le bicentenaire où là, normalement, il y aura une grande reconstitution d'à peu près 3. Je vois pas là ? Un petit peu, mais bon, c'est comme ça ? Un petit peu plus bas. Comme ça ? Super, vas-y. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, c'est un événement particulier. Vous avez Sire, l'empereur à côté de vous. Expliquez-moi ce que ça vous fait aujourd'hui. Ah. Ce que me fait, bon, disons que c'est au niveau de la route. Quand ils vont mettre la gerbe. De sang répandu et le charme qui opère depuis le débarquement du 1er mars se fera rompu. Il suit son chemin en volant de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame.
pour pouvoir l'année prochaine, il va neiger un peu. Oui, non, mais c'est sûr, on prend les paris. On prend les paris, il va neiger. Enfanté de vous connaître. Voilà, il fait beau soleil ici. Ah oui, peut-être, certainement. Ah oui, peut-être. Ah oui, oui. Voilà, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ben oui, c'est bien. Au revoir. Bonne journée. Allez, si. On est en retard. On est en retard. Oui, parce que t'as déjà des barrières de béton qui ont empêché de rentrer. C'est génial. Il a mis partenariat, ouais, partenariat, il a mis des associations qui donnent un coup de main. Il a mis les sous-chefs. D'avril 1814 à Fontainebleau, l'île d'Elbe est donc reconnue à Napoléon en toute souveraineté, il n'est pas prisonnier, en toute souveraineté et propriété. Vous avez peut-être vu l'émission à France 2, c'est ça, voilà. Flottaient sur Notre-Dame de Paris, sur la cathédrale de Strasbourg. Eh bien, ils ont tenu parole. À son retour de l'île d'Elbe. C'est sous les fenêtres de cette chambre que les jeunes gens de la ville lui apportèrent, dit-on, les énormes vantaux en bois de la porte de Bonne. Désormais, plus rien ne pouvait le retenir jusqu'à Paris. Jusqu'à Grenoble, il était aventurier. À Grenoble, il était prince. Oui. C'est dans le modeste chambre de l'auberge Les Trois Sandales. C'était un écrivain génial, Sandales, Sandales, sentimental et libéral. Écoutez, nous, c'est pas fini. Si, c'est pas fini.
dans cette semaine ou quand je serai décédé. Alors, merci, au revoir. Vos généraux sont venus vous soutenir. Voilà, tout à fait. Ça, c'est mon chef d'état. On n'est pas en train. On les trouve le bon. On les trouve le bon.